Bonjour, c'est Fred. Aujourd'hui, je vais vous montrer une caisse avec plein de BD différentes. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du super-héros, du fantastique, il y a un petit peu de tout. Allez, c'est parti. On commence avec collection Présence de l'avenir, rencontre du troisième type. Ça, c'est des grands formats. Rogers, toujours dans la même collection. Bon, c'est un petit peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a des BD françaises, BD américaines. Superman contre Wonder Woman. Barbarella. Ça, c'est une BD allemande que j'ai reçue gratuitement parce que j'avais acheté 2-3 trucs en Allemagne et bon, le type m'en avait fait cadeau. Donc j'ai trouvé ça assez sympa et bon, je parle pas allemand, mais les dessins sont sympas. Pleine lune. Par Neil Adams. Galactica. Collection Télé Junior. Sous les mers, âge éducatif, l'homme qui venait de l'Atlantide, toujours chez Télé Junior. Qui valait 3 milliards. Les mystères de l'Ouest. L'étrange invasion. Dit Artima. Le royaume des ombres. Force Sally. Fantastique, j'aime beaucoup la couverture. Une BD avec deux films, Les Dents de la Mer et Météore. Métal hurlant, belle couve.
Deadly Hands, Kung Fu. Cauchemar numéro 1. Planète des singes numéro 6. Psycho. Dossier négro numéro 103. J'aime beaucoup les couves de cette série-là. Chronos numéro 6. Les envahisseurs. Collection TV. King Kong. Dans la collection Les grands classiques de la BD. Dracula contre Strange. Bon, ça c'est à la base la couve d'un Dracula Live. Le manoir des fantômes. Il est minuit. Couverture. Encore le manoir des fantômes, album numéro 1. L'Empire contre-attaque. Spotnik. J'aimerais bien en trouver plus, mais bon, j'en trouve pas. Uncanny Tale. Creepy World. Of this world. Et pour terminer, Martin Mystère. Ok. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Bye.